Bonjour monsieur Pascal Thibault. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Vous êtes journaliste chez Radio France Internationale et correspondant à Berlin. Vous êtes depuis bientôt 30 ans à Berlin, c'est vrai? Oui, effectivement, je suis arrivé juste après la réunification à Berlin, fin octobre 1990, donc ça fait plus de 30 ans même. Voilà, c'était un peu la conséquence d'un long parcours germanophile grâce au départ à un jumelage et un contact humain avec des Allemands, des vrais, qui a fait que voilà, j'ai naturellement appris l'allemand comme première langue, j'ai participé à des échanges scolaires, universitaires ensuite, et fait des stages en Allemagne. Avec l'ophage. Avec l'OPHAGE, bien sûr, sans lequel je ne serais pas ici aujourd'hui. Et un jour, à la fin de mes études, donc j'ai eu l'opportunité de, grâce à une bourse aussi, de partir en Allemagne. J'ai choisi Berlin parce que juste après la réunification, ça me paraissait la ville la plus excitante pour étudier de près comment cette réunification entre l'Est et l'Ouest fonctionnait. L'Allemagne s'était beaucoup transformée depuis la réunification. Oui, bien entendu. À l'époque, bien sûr, on avait cette Allemagne de l'Ouest, déjà forgée par combien d'années? Par 40 années depuis sa fondation. L'Est qui venait de s'écrouler, la nécessité de remettre à niveau l'Est avec d'énormes difficultés économiques et sociales qu'on avait sans doute sous-estimées. La question de savoir si c'était, si comme d'un point de vue légal lors de la réunification était une extension de l'Ouest territorial ou bien si un nouveau pays, une nouvelle nation, allait se mettre en place aussi d'un point de vue sociologique avec voilà plus d'échanges entre les populations et ça s'est produit en partie mais on sait que jusqu'à aujourd'hui tout n'est pas encore parfait. Vous avez 45 000 personnes qui suivent votre compte Twitter. Vous leur offrez régulièrement une lettre d'information sur l'Allemagne. Cela me titillait depuis longtemps. Ça me plaît cette phrase. Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus? Ben, mon compte Twitter est consacré, c'est un compte professionnel, à l'actualité allemande, qui est celle, évidemment, que je couvre professionnellement et dont je parle sur RFI. Donc, c'est aussi une extension de mes activités purement radiophoniques. Je parle de l'Allemagne sur ce compte Twitter. On y retrouve des sujets que j'ai bien sûr pu traiter sur la radio et je publie aussi les liens de ce qui a été publié sur le site de RFI. Mais bien sûr, sur un compte Twitter, les publications sont illimitées. Et donc, contrairement à un journal radio, où on a bien sûr peu de place et puis il y a quelques minutes. Là, sur Twitter, donc j'ai la place de publier beaucoup plus d'informations, plus détaillées, sur des sujets très variés. J'essaye en tout cas, politique, culture, économie. Parfois, c'est une anecdote du quotidien qui me semble refléter un peu l'air du temps ou quelque chose qui se passe dans la société allemande. Il est passionnant de lire vos contributions car les lecteurs de notre blog peuvent y découvrir comment un Français observe la politique en Allemagne. Ce regard est très instructif à plusieurs égards et je me rappelle un peu ce qu'Alfred Kossa nous a toujours dit par rapport aux relations franco-allemandes, expliquer, expliquer, toujours expliquer. Est-ce que vous avez un peu la veine pédagogique d'expliquer l'Allemagne aussi aux Français? Oui, je crois que quelque part, c'est aussi une ambition. Bon, d'abord, quand on est journaliste, on est aussi là pour expliquer, même si la façon dont on le fait n'est pas
n'est pas didactique comme celle que, comme la méthode qu'utiliserait un enseignant. Mais je crois que c'est aussi ça, et sur le compte Twitter, avec peut-être plus de place ou de possibilités, d'essayer de décrypter les choses ou d'expliquer le fonctionnement de la politique, de la société allemande, surtout lorsqu'il s'agit d'aspects qui sont vraiment très différents de ce qui se passe en France. Expliquer pourquoi on a la CDU, le Parti chrétien-démocrate, et pourquoi il y a ce parti frère en Bavière, ce n'est pas compréhensible a priori pour des Français, comment fonctionne le fédéralisme par rapport à un pays qui reste en France encore très marqué par le centralisme, d'expliquer qu'une chancelière allemande n'est pas comparable au niveau de ses compétences à un président français et qu'elle doit faire avec beaucoup de contraintes. D'abord, elle ou il, demain peut-être, gouverne dans une coalition, ce qui oblige à des compromis. Le président français, quand il est élu, en général, il obtient à l'Assemblée nationale une majorité absolue qui lui permet de gouverner sans contrainte. Le fédéralisme oblige, il faut ici parfois négocier avec les Länder et avec le Bundesrat, qui a parfois des possibilités de contrôle plus importantes que le Sénat français. La Cour de Karlsruhe a aussi un rôle très important ici. Bref, tout ça fait que voilà, une chancelière allemande n'a pas les mêmes compétences. Et quand des Français s'impatientent du manque de réaction de Berlin suite à une proposition française, il peut y avoir une explication dans peut-être la lenteur de la prise de décision chez une Angela Merkel, mais il y a aussi le fait que, eh bien, elle doit composer avec les contraintes que j'évoquais et qu'elle ne peut pas décider seule rapidement quelque chose. Quelles sont pour vous les différences essentielles ou les tâches essentielles des relations franco-allemandes d'aujourd'hui? Bah, je pense qu'au-delà du rapport bilatéral, qui évidemment est important, je pense que c'est surtout, ça reste, c'est pas très, très nouveau et très original, mais ça reste de jouer un rôle central pour essayer de trouver des compromis, des solutions, des avancées qui sont susceptibles ensuite de faire avancer l'Europe, voire au-delà la politique étrangère. On pense par exemple, après la débâcle en Afghanistan, est-il possible de mettre une force d'intervention européenne qui n'est pas que ce nom, mais qui fonctionne et qui permette de sécuriser, comme les Américains l'ont fait, mais durant quelques jours seulement, un aéroport comme Kaboul, qui n'a pas la taille de celui de Francfort ou d'Atlanta, par exemple. Et voilà, donc je pense que c'est ça l'importance surtout du franco-allemand, ce qui implique bien sûr qu'on s'entende ensemble et qu'on trouve des compromis avec des positions qui souvent ne sont pas au départ les mêmes, mais quand ça fonctionne et qu'on nourrit suffisamment le dialogue avec les autres partenaires européens, ce qui est plus compliqué qu'avant, on peut arriver peut-être à faire avancer les choses, sinon à 27, en tout cas avec un nombre plus restreint de pays. Oui, et le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est un succès ? C'est encore un petit peu tôt peut-être pour l'histoire, mais je crois qu'il a des avancées pratiques, institutionnelles et pratiques qui ne sont pas négligeables. Je crois que l'Assemblée parlementaire franco-allemande, dont on pouvait croire au début que c'était un gadget qui allait permettre aux députés de faire des voyages quand il n'y a pas de pandémie, évidemment, et d'aller à Paris, à Berlin ou ailleurs. Non, on a vu justement durant la pandémie l'utilité de cette Assemblée pour faire pression sur les gouvernements pour permettre que, alors qu'il y a eu des erreurs au début, que la frontière franco-allemande reste
aussi ouverte que possible. Les deux ministres de l'Intérieur ont été auditionnés par cette assemblée, où là, les députés ont également clairement exprimé leurs soucis en raison des difficultés qu'il pouvait y avoir, notamment lors du premier confinement, pour la circulation dans l'un ou l'autre sens, et ont obtenu, à travers à travers leurs travaux dans cette assemblée parlementaire, mais aussi avec des tribunes dans la presse, etc., un certain nombre d'améliorations. Et je pense que donc c'est sans doute un outil qui peut encore faire avancer un certain nombre de projets. Il faut aussi rappeler que le traité d'Aix-la-Chapelle, le texte, n'est pas le fruit des gouvernements, mais a d'abord été une large partie de ce texte a été le fruit du travail parlementaire en amont. Voilà. Il y a aussi d'autres avancées du traité d'Aix-la-Chapelle pour la coopération transfrontalière dont on parlait à l'instant, avec la création d'une commission qui, là aussi, avec la pandémie, malheureusement ou heureusement, c'est selon, a pu être utilisée, a pu essayer justement d'améliorer les difficultés ou de solutionner des problèmes. Et autre aspect pour la société civile, la création d'un fonds citoyen franco-allemand qui fonctionne et qui soutient des projets de la société civile, enfin, qui a pour but de rapprocher les deux sociétés civiles françaises et allemandes. Malheureusement pour lui, il a commencé à fonctionner juste au moment où la pandémie se déclenchait. Ce n'était pas évidemment optimal pour que les gens puissent se rencontrer physiquement. Donc, il a dû, depuis un an et demi surtout, financer, soutenir beaucoup de projets numériques. J'espère qu'à l'avenir, il pourra soutenir des projets qui permettront des rencontres physiques. Avant de parler de l'Europe, encore une fois, je voudrais vous demander, pourriez-vous dire quelques mots sur le rôle, j'aimerais bien dire fédérateur ou amical, de l'OFAJ pour la jeunesse d'aujourd'hui, des deux pays? Oui, je crois que l'OFAJ, ça reste un instrument fondamental. Peut-être qu'on l'oublie un peu parce qu'on a l'impression qu'il fait partie du décor, et que voilà. Il y a sans doute des gens qui pourraient en profiter, malheureusement, qui ne le connaissent pas. Je ne suis pas sûr que tous nos élèves connaissent l'OFAJ, Oui, qui voilà. apprennent le français même. Voilà, c'est ce qui est paradoxal. Donc, il y a sans doute, malgré le fait que l'OFAJ fête bientôt, en 2023, ses 60 ans. Il y a sans doute un déficit de communication. Malgré tout, il a permis de faire se rencontrer depuis 1963, depuis l'entrée en vigueur du traité de l'Élysée, des millions de jeunes français et allemands. Et ça reste un vecteur important. J'ai évoqué le fait que moi aussi, j'en ai beaucoup profité, entre guillemets, dans ma jeunesse. Et voilà, l'OFAJ essaye aussi de se moderniser, il essaye aussi par des programmes d'atteindre des couches de la population qui sont moins favorisées, qui peut-être ne parlent pas la langue du voisin, en permettant, grâce à des outils novateurs, de faciliter le dialogue autrement que par la langue lorsqu'elle n'est pas là, enfin la maîtrise de la langue du voisin. Voilà, et on voit que l'OFAJ n'est pas, voilà, comment dire, un bilan positif, puisqu'il a servi de modèle, d'exemple pour d'autres offices pour la jeunesse binationaux. On a créé un office germano-polonais pour la jeunesse, je crois récemment un office germano-grec. Donc, peut-être qu'il y en a d'autres qui m'échappent. Donc, c'est un modèle à suivre. Son financement a été revu à la hausse. Pendant des années, malheureusement, parité oblige, le financement a stagné, ce qui signifie que inflation oblige, en termes réels, les moyens étaient moindres. Bon, ces moyens ont été revalorisés. Il faut un accord des deux pays, c'est-à-dire que si un pays augmente de
un million, l'autre pays doit en faire autant. Et ça, pendant des années, ça n'était pas le cas. Voilà, donc je pense que c'est important, et c'est important au-delà. J'évoquais l'exemple qu'il a, le fait qu'il a servi d'école. Bon, je pense que au-delà, peut-être qu'un jour, j'évoquais l'office germano-polonais. Peut-être que c'est bien d'avoir ces offices bilatéraux. Peut-être qu'un jour, il faudra fondre ces offices dans un office de la jeunesse européenne pour que les échanges puissent être financés, se dérouler dans tous les sens, entre guillemets, entre tous les pays. Et ne pas les soutenir uniquement pour les relations entre deux pays particuliers. Vous observez la campagne électorale en Allemagne. L'élection pour le Bundestag aura lieu le 26 septembre. Parmi les sujets majeurs débattus lors du triel, le premier débat entre Olaf Scholz, Armin Laschet et Annalena Baerbock, on a parlé en d'autres de l'Europe. Croyez-vous que ceux ou celles qui prient la succession d'Angela Merkel sont suffisamment bien sensibles ou suffisamment armés pour donner enfin une réponse aux propositions européennes d'Emmanuel Macron? J'ajouterai suivi d'une vision européenne. Écoutez, je suis plutôt optimiste parce que par rapport à Angela Merkel, qui n'est pas une européenne de naissance, puisqu'elle est née, elle est certes née à Hambourg, mais elle a grandi de l'autre côté du rideau de fer de l'époque. Je pense que pour elle, l'intégration européenne, la relation franco-allemande est quelque chose qu'elle a dû apprendre, et elle ne l'avait sans doute pas dans ses gènes, comme par exemple, sans doute, je pense, un Armin Laschet, originaire d'Aix-la-Chapelle. On évoquait le traité signé là-bas, c'est aussi là qu'on décerne le prix Charlemagne, etc. Ce Rhénan est très marqué par la relation avec la France. Il est actuellement le ministre plénipotentiaire pour les relations culturelles entre les deux pays. Bon, fonction qui tourne en Allemagne, donc c'est pas parce que c'est Armin Laschet, mais c'est parce que cette fonction, à un moment donné, a été confiée au ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Mmh. Et je pense aussi que Olaf Scholz, qui dans le passé, comme son parti, a critiqué le fait que le gouvernement précédent n'avait pas répondu suffisamment et suffisamment vite aux propositions d'Emmanuel Macron, sera sans doute enclin à le faire ou à passer à d'autres propositions peut-être, puisqu'entre-temps, depuis le discours de la Sorbonne, bientôt 4 ans se sont passés. Mmh. Et Annalena Baerbock aussi, je crois, est une Européenne convaincue. Donc, la Macron-mania, je pense, était particulièrement forte ces dernières années chez les Verts, peut-être encore plus que même au sein du SPD. Et pour revenir sur Laschet, il a d'ailleurs critiqué dans le passé le fait que l'Allemagne n'ait pas réagi suffisamment tôt et suffisamment fort aux propositions d'Emmanuel Macron. Après, tout dépendra de la coalition qui sera au pouvoir. Je pense que s'il y a une coalition qui intègre les libéraux, je ne vois pas non plus de difficultés majeures. Je pense que la période, je pense notamment à la crise de la zone euro et la mise en place du Fonds de stabilité européen, où on a vu une certaine aile du Parti libéral à l'époque s'y opposer. Je pense que cette période est révolue. Le Parti libéral allemand est au sein du Parlement européen membre du même groupe parlementaire que le parti d'Emmanuel Macron. Donc là, je ne vois pas non plus de problème majeur. Après, ça c'est sur les grandes lignes. Après, il peut y avoir, ça ne signifie pas que tout, que ça va être une, que ça va être un, on aura un feu d'artifice d'unité de célébration franco-allemande. On sait bien qu'avec les Verts, sur la politique industrielle de défense, l'exportation d'armements, c'est sans doute pas forcément plus simple, par exemple. Pour citer un exemple de la relation bilatérale franco-allemande. Mmh.
Un petit regard sur le sondage. Attendez-vous un changement majeur de la politique en Allemagne après le 6 septembre? La percée du SPD entre la fin du mois de juillet jusqu'à aujourd'hui semble être impressionnante. Est-elle aussi prometteuse? Écoutez, je pense que Scholz, que tout le monde avait enterré très tôt, effectivement, a fait un comeback, en tout cas dans les sondages, il faut rester prudent, spectaculaire. Qu'il est perçu comme ce pôle de stabilité qui normalement revenait traditionnellement à la CDU. Parce que la Hachette ne convainc pas et que la CDU sans Angela Merkel est privée d'électeurs qui votaient pour elle à cause aussi de la personnalité de la chancelière. Scholz, je crois au niveau de sa connaissance des dossiers, de ses compétences, de son expérience gouvernementale, a le profil du chancelier. Je pense qu'il a aussi la capacité, étant plutôt à l'aile droite du SPD, de séduire. C'est ce qu'on voit, ça explique aussi la remontée dans les sondages d'un certain nombre d'électeurs qui, dans le passé, ont voté pour les chrétiens-démocrates, qui au printemps s'est tenté par les Verts et entre-temps, visiblement, changent leur fusil d'épaule. Mais comme c'est le SPD, il a tout de même la capacité, avec un parti plus à gauche que lui, ce qui pourrait créer des problèmes après le 26 septembre, en tout cas de réunir ou de rapprocher ces deux tendances, enfin donc d'aller grappiller au centre droit, mais sans perdre trop de voix de son parti. Et notamment, ça aurait pu être le cas au profit du parti de gauche, Die Linke, qui reste à un niveau très bas. Olaf Scholz n'est pas un grand charismatique, c'est le moins qu'on puisse dire. En cela, il est aussi l'héritier d'Angela Merkel, en ce qui concerne son style. Mais je crois qu'en Allemagne aussi, en raison du passé, des gens qui sont flamboyants, charismatiques, comme on peut-être les connaître en France, ne sont pas forcément ceux qui sont privilégiés et que ça correspond peut-être plus au type de responsable politique qui est plutôt souhaité. On a eu dans le passé on avait eu le contre-exemple Gerhard Schröder. On voit quand même que cette génération particulièrement charismatique, flamboyante, semble être un peu passé de mode, quoi. Les Schröder, les Joschka Fischer, on les voit moins aujourd'hui dans la vie politique allemande. Neoma Alumni organise avec le club RFI Berlin un débat. Six responsables politiques allemands parlent en français sous le titre Suspense électoral en Allemagne, mercredi 15 septembre à 20h30. Quels sont selon vous les enjeux majeurs de cette élection et leur impact sur les relations franco-allemandes? Ben, d'abord, je suis très fier d'avoir monté cette opération parce que trouver des responsables de tous les partis allemands qui parlent français et suffisamment bien pour faire ça en live, c'est quand même pas évident. On aurait eu du mal à faire la même chose en France avec des responsables politiques germanophones. Les enjeux pour la. Votre question, c'était sur les enjeux pour la relation franco-allemande. Oui, Oui. l'impact de ces relations sur Louis. Ou l'impact des élections sur les relations. Voilà. Oui, bien sûr. On l'a un petit peu évoqué déjà avant avec les profils des trois candidats qui sont plutôt des Européens. Donc, je pense que les conséquences de ces élections pour les relations franco-allemandes ne seront pas majeures. La continuité va l'emporter. Alors que lorsqu'on regarde la présidentielle française au printemps prochain, une victoire de Marine Le Pen bousculerait complètement l'Europe. Donc là, ce n'est pas le cas avec cette élection allemande. Et je pense que la continuité va l'emporter. Je pense que peut-être d'ailleurs un certain nombre d'avancées seront peut-être
plus facile, peut-être plus rapide, il faut rester prudent. Tout dépendra aussi de ce qui va se passer dans quelques mois aussi en France. Emmanuel Macron restera-t-il au pouvoir ou non? Voilà, mais on verra, par exemple, si l'avancée qu'a constitué le plan de relance européen avec un endettement commun, est-ce que ça reste un ovni en quelque sorte dans la politique européenne et qu'on revient à la situation antérieure, critères de Maastricht, respect des règles budgétaires, etc. Ou bien, comme certains le souhaitent en Allemagne, notamment le SPD, les Verts, est-ce qu'on va vers quelque chose de pérenne et aussi la nécessité pour ses défenseurs de donner à l'Europe plus de moyens, avec plus de budget propre, etc. etc. Et là, on a, si c'était le cas, là, on aurait aussi un saut qualitatif en faveur d'une plus grande intégration européenne. J'ai encore deux questions. Vous avez retweeté un tweet concernant la question des migrants en Allemagne qui constate que 62% des Allemands pensent que l'Allemagne est capable de recevoir plus de réfugiés, mais au niveau européen, la question des réfugiés reste, après tout, un problème très épineux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on continue de voir la question des migrants différemment en France et en Allemagne, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que malgré la présence dans le paysage politique du parti d'extrême droite AfD, bien que l'arrivée de nombreux réfugiés en 2015 en Allemagne, en tout cas à cette époque-là, a provoqué aussi des mouvements de rejet en Allemagne, il ne faut pas l'oublier, le sous-estimer, on conserve quand même une ouverture assez importante. Bon, il est vrai que peut-être, j'ai oublié si ce sondage avait été fait avant ou après la crise en Afghanistan. Si c'est le cas, par exemple, peut-être aussi qu'il y a aussi une explication dans la crise humanitaire qui s'est produite là-bas. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense, une politique plus, comment dire, une acceptation plus importante. Malgré la politique restrictive de Horst Seehofer, je crois qu'il y a quand même aussi une volonté politique. L'Allemagne a adopté une loi sur l'immigration choisie en raison des problèmes de main-d'œuvre à résoudre sur la durée, de la nécessité de faire venir de la main-d'œuvre pour remplacer des emplois qui ne sont plus pour lesquels on manque de salariés. Il y a quelques jours, le président de l'Agence fédérale pour l'emploi disait qu'il faudrait 400 000 migrants par an en raison des déficits de main-d'œuvre en Allemagne. Donc, je pense que là, il y a quand même une prise de conscience qui est plus importante qu'en France, où on a quand même vu sous Emmanuel Macron, ce n'était pas complètement nouveau, une politique très restrictive et avec des conditions d'accueil des migrants. On se rappelle de ce qui se passait à Calais, on se rappelle de ces gens sous des ponts à Paris. En 2015, on n'a jamais vu ça en Allemagne, c'est-à-dire que la machine a fonctionné et tous ces gens, peut-être, ils ont peut-être dû passer quelques nuits dehors et heureusement c'était l'été, mais ils ont tous été hébergés rapidement, quelque part, pris en charge, etc. Et on n'a pas, à ma connaissance, de camps sauvages quelque part en Allemagne pour les migrants. Un mot sur l'Afghanistan. Partagez-vous le constat de vos confrères allemands qui estiment que le débâcle en Afghanistan est un échec collectif du gouvernement allemand? Le retrait d'Afghanistan exige la protection d'anciens collaborateurs et leurs familles. Pourquoi une réponse européenne est toujours si compliquée, je pense, aux valeurs de l'Europe? Ce sont deux questions. C'est intéressant de voir que les critiques très dures contre le gouvernement allemand l'ont été. Enfin, où les critiques contre le gouvernement allemand ont été plus dures ici en Allemagne qu'en France, où je n'ai pas l'impression qu'il y a eu un débat aussi, ou des attaques aussi fermes contre le gouvernement français. Oui, mais le gouvernement français, la France s'était retirée un peu plus tôt de l'Afghanistan. C'est vrai. Ça dépend de cela, n'est-ce pas? Voilà, c'est vrai aussi. Je crois qu'ici, il y a aussi
Peut-être que bon, d'abord sur la responsabilité collective, oui, je pense que c'est un peu trop simple de faire porter la responsabilité à un ministre, etc. Il est vrai que le ministre des Affaires étrangères n'a pas forcément brillé dans cette affaire, mais on a vu aussi que lorsqu'il s'agissait de régler les détails concrets de l'accueil des personnes, des Afghans qui ont travaillé pour les forces allemandes sur place. On a vu qu'il y a eu beaucoup de disputes entre les ministères compétents, défense, affaires étrangères, développement, et que ça n'a pas vraiment contribué à trouver une solution. Je pense aussi que, bien qu'il s'agissait de l'engagement le plus important de l'Allemagne sur un territoire extérieur, on voit qu'il y a une autre tradition et que c'était pas quelque chose de. Qui est constitué une priorité pour les responsables politiques dont on parlait beaucoup par rapport peut-être à la France. Il est vrai que c'était aussi un engagement beaucoup plus civil, enfin en tout cas qui a contribué au développement sur le terrain, même si c'était des militaires qui s'en chargeaient. On ne peut pas évidemment comparer ça à l'intervention plus musclée de la France au Mali, avec des pertes évidemment plus importantes. Et il y a peut-être aussi ces débats, ces critiques importantes du fait que ces engagements à l'étranger restent ici toujours d'abord mal vus par la population en raison du passé de l'Allemagne. Et suscite toujours beaucoup de débats dans les partis politiques. Et on le voit on l'a bien vu récemment lorsque, a posteriori, le Bundestag s'est réuni en session extraordinaire pour avaliser l'évacuation dans la panique, on peut dire ça, des forces allemandes en Afghanistan. Une toute dernière question. Parlons un tout petit moment du COVID. Selon vous, le gouvernement a bien géré cette crise en Allemagne? C'est vraiment difficile de dire ce pays a mieux fait que l'autre. On a suffisamment collaboré avec en France ou en Europe. On peut le regarder de plusieurs aspects, sous plusieurs Oui, aspects. voilà, donc il faudrait vraiment faire une étude approfondie avec des paramètres comparables. D'abord, on a des situations de départ qui sont différentes. Ici, on a plutôt eu plus de chance au début, lors de la première vague, avec l'absence de clusters, comme on a eu en Alsace avec cette rencontre évangélique. On a eu plutôt des jeunes qui revenaient du ski qui étaient concernés, donc moins malades et donc qui mouraient moins. Bref, il y a un facteur de chance qui explique au début, dans la première vague, le succès entre guillemets, de l'Allemagne. Il y a sans doute une meilleure infrastructure en matière hospitalière, avec des hôpitaux décentralisés, etc., qui peuvent peut-être réagir plus vite. On n'a jamais eu ici d'hôpitaux débordés. On a eu aussi un nombre de malades en soins intensifs moindre. Voilà, d'où un bilan plutôt positif. Aussi, le fédéralisme permettait de réagir rapidement sur place. Après, on a vu dans la deuxième vague que le fédéralisme pouvait aussi avoir ses limites avec parfois des mesures tellement différentes d'une région à l'autre que le commun des mortels ne pouvait plus comprendre. Et si vous prenez le train et que selon que le train circule dans la région A ou la région B, et que vous n'avez pas de masque, vous avez une amende différente. Enfin, c'est évidemment très compliqué à comprendre. Voilà. Et on a vu ensuite que après l'hiver dernier, la situation a été plus difficile en Allemagne. Maintenant, voilà. Je crois pas qu'il y a eu des erreurs, effectivement. Parfois comparable à la France, le fait qu'on manquait de masques, qu'on n'avait pas de réserve, qu'on manquait d'autres matériels. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on a compris et qu'à l'avenir, on fera ces réserves. En France, on a aussi détruit des millions de masques, voilà, dont on manquait.
Voilà, on a vu la situation dans la façon dont les écoles et la protection des élèves a été gérée, me paraît aussi être plutôt un échec ici en Allemagne, où on a l'impression qu'un an après, là maintenant, on s'occupe avant la rentrée d'équiper toutes les classes de filtres à air. Bon, pourquoi ça n'a pas été fait pour la rentrée 2020? Bon, voilà. Il y a des questions qui se posent. Là aussi, sur les écoles, il y a eu deux écoles justement différentes. En France, on a toujours voulu les laisser ouvertes au maximum. Ici, on a fermé durant le premier confinement. Bon, avec les conséquences à la fois pour la carrière scolaire des élèves, mais aussi peut-être avec des conséquences psychologiques et sociales. Bon, je crois qu'à l'arrivée, bon. Tout dépend quels critères on adopte pour juger le bilan. Si on regarde le nombre de personnes malades, de personnes qui ont eu le Covid, de personnes qui ont été gravement malades ou le nombre de morts, et si on regarde encore les taux d'incidence aujourd'hui, la situation reste plutôt plus favorable en Allemagne. Voilà, je crois que la plupart des dirigeants ont un peu navigué à vue. Il y a sans doute des erreurs qui ont été faites. Je ne pense pas des erreurs. Il y a des erreurs qui auraient pu être évitées, les masques, etc., au début. Des erreurs qui sont sans doute humaines parce que c'est très compliqué quand la situation évolue au jour le jour. On navigue à vue un peu, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Pascal Thibault, je vous remercie, un grand merci pour votre venue dans mon home office. Est-ce que je peux vous envoyer une invitation quelques semaines après la constitution du gouvernement allemand pour qu'on parle, pour qu'on révise un peu la copie et pour qu'on voit ce qu'on peut faire dans le cadre des relations franco-allemandes désormais? Oui, volontiers, pas de souci. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. OK. Au revoir. Bon week-end. Bon week-end.